Allez, Lucas. Wow. Très belle. Salut mes amis. Salut. Salut. Ça va? Les gars, nous avons tout. Et tu es amoureux de la fille de la classe parallèle. Et alors? Quand vas-tu parler avec elle? Ce n'est pas une chance. Elle est trop bonne pour moi. Mais je pense que si tu ne parles pas avec elle, tu n'as pas savé si elle est la fille pour toi. Ce n'est pas possible. Tu es con, Léo. Tu n'oses pas et tu offres ça. Je m'aime mort. Tu dois sinon. Nous ne sommes plus ensemble avec toi. C'est vrai. Oui. C'est vrai. D'accord, je lui demande. Lucas va voir la belle fille et lui demande de sortir. Après quelques secondes, il retourne au garçon. Alors Lucas, qu'est-ce qu'elle disait? Elle reconnaît. Et elle a dit non. Très drôle. Mais ce manque toujours de faire une conséquence. Je trouve que ce temps toujours de recevoir un défi qu'après elle. Soit alors, qu'est-ce que le défi? J'ai de Cécile de notre classe. Et c'est pour cela que j'ai de cette fille qui volait son portefeuille. Oubliez ça. C'est criminel. N'est-ce pas impuissant? Je suis sûr qu'elle a de l'argent que nous pouvons utiliser pour acheter une pizza après de l'école. D'accord, mais vous allez surveiller les corridors pour assurer qu'elle ne rentre pas dans la classe. Marcus entre dans la classe et il vole le portefeuille de Céline. Ce voici son portefeuille. Bravo. Pour maintenant, c'est temps toi de donner une conséquence à quelqu'un. D'accord, Léo. C'est à toi maintenant. Oui, qu'est-ce que ma conséquence? Tu dois rosser l'idiot Pierre. Il a baissé ma ex-petite amie. Pierre? Il est le frère de mon meilleur ami. Je refuse. Oui, j'ai de cette Pierre aussi. Rassembler tes forces, Léo. On s'en fout. Léo, c'est ta conséquence. Et Pierre est un homme bizarre, très embêtant. Fais-le simplement. Les garçons attendent Pierre et quand ils sont seuls, Léo attaque Pierre à la cour de récréation. Les garçons laissent Pierre coucher au sol avec beaucoup de plaies et dommages. Les défis se développent dans les groupes de dernière conséquence et à Marcus. Maintenant. Marcus, tu es prêt pour ton défi? Oui, je suis sûr prêt. C'est un honneur de prendre un défi. Oui, mais maintenant c'est un défi très compliqué. Mais je trouve que c'est parfait pour toi parce que tu es une personne très courageuse. Nous voulons que tu te suicides. Ce n'est pas possible. Vous êtes fou. Je quitte le groupe immédiatement. C'est dommage parce que tu n'as pas de choix. Après 2 heures, le trois garçons étaient au toit de l'école. Gabriel pleurait et il avait peur. Gabriel, sortez maintenant, tu n'as pas le choix. Sortez, 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 sortez.